Salut à tous les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je me rends à Doi Intanon, le sommet le plus haut en Thaïlande, qui atteint à peu près les 2500 mètres. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est écrit Doi Intanon, et je vous emmène tout de suite. C'est parti! Les amis, je suis en route pour Doi Intanon, donc pour aller au sommet, et je voulais partager avec vous cette sublime vue vraiment sympathique. C'est vraiment apaisant, c'est le calme absolu, et ça vaut le coup de venir, vraiment ça vaut le coup de venir. Juste une petite information pratique, quand vous êtes thaïlandais, vous allez payer 30 baht l'entrée, l'accès à Doi Intanon. Et quand vous êtes étranger, pharaon, vous payez 300 baht, l'accès à Doi Intanon, au sommet. Et voilà, si vous accédez avec un véhicule privé, vous allez payer 50 baht pour le véhicule. Voilà les amis, Doi Intanon, ça se situe à peu près à 1h55 de Chiang Mai. Vous pouvez louer une voiture et ça se fait facilement. Voilà, c'est en 2 heures de temps à peu près et vous avez accès à une super belle vue. Vraiment, c'est vraiment sympa. Voilà, j'aime beaucoup me retrouver ici et c'est top. Ça change un petit peu de Bangkok, de toute la folie que vous avez à Bangkok. Vous savez que j'aime beaucoup Bangkok, je suis quelqu'un de la ville, j'adore ça. Et par contre, ça fait du bien d'alterner un petit peu, parfois avec des petits moments de détente ici. Je pense que l'un des points importants pour lesquels on apprécie beaucoup la Thaïlande, c'est vraiment sa diversité de paysages. Si vous aimez les plages, les îles, les plaines, les montagnes, il y en a pour tous les goûts et ça c'est juste magnifique. En tous les cas, moi j'aime bien varier les plaisirs. Je pense qu'à un certain moment, passer trop de temps dans un endroit, on se lasse un petit peu et le fait de respirer de l'air frais, comme ça, c'est vraiment magnifique. Et juste une information pour les personnes qui ne le savent pas, ne vous fiez pas aux apparences, Chiang Mai est une ville très polluée en fait, ok? Très polluée parce qu'il y a une période de l'année sur laquelle on brûle les terres et ça pollue énormément. Voilà, donc ne vous dites pas que Chiang Mai est moins pollué que Bangkok, non, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, donc je préfère le préciser. Et là je filme pour vous, mais je prends des risques, hein, regardez. J'ai escaladé cette petite rambarde pour avoir un point un peu plus haut. Voilà les amis, ça y est, on y est. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ici, on est à 2565 mètres. Au-dessus du niveau de la mer, autrement dit, on a atteint le spot le plus haut ici en Thaïlande, 2565 mètres. Félicitations Sabri, congratulations, yes, yes. Voilà, en tout cas, c'est super sympa. Voilà, c'est Doi Intanon, donc les amis, c'est à faire. Voilà, quand vous venez en Thaïlande, vous faites un petit saut. C'est à 2 heures de Chiang Mai, ça vaut le coup. On respire bien, il y a pas mal de verdure ici et c'est vraiment apaisant. Je pense que si on monte encore un petit peu plus, on va avoir une vue sympathique. Je pense qu'ils font des offrandes ici. Thank you.
Inutile de vous préciser qu'il fait un peu plus frais qu'à Bangkok ici. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette petite chemise à manches longues. Ça me protège un petit peu de l'air frais. Voilà, c'est ce que nous offre la Thaïlande, une diversité de paysages. Comme quoi, la Thaïlande, c'est pas que les îles, les plages, les boîtes de nuit, c'est aussi des instants simples comme ça. Allez, on continue de marcher parce que là, j'apprécie ma balade. On continue. Alors, je me suis assis ici, tout simplement, parce que le chant des oiseaux est juste magnifique. J'aurais posé la question s'il faisait un documentaire ou est-ce que c'était pour la télé. En fait, c'est juste un hobby. Waouh, quel moment de simplicité que de se retrouver ici, vraiment sympa. Et je garde un excellent souvenir de ce jardin qu'il y a derrière moi. Je pense que c'est un jardin japonais. Si ce n'est pas le cas, il y a un pont japonais qui surplombe le petit lac. Là, j'avoue que j'en garde un excellent souvenir. Et voilà, la dernière fois que j'étais venu, on était venu très tôt le matin et il y avait beaucoup de brume, donc on pouvait pas très bien voir, on va dire. Mais là, c'est vraiment dégagé, c'est clair. Et voilà, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais voilà, c'est super coloré et j'espère que vous appréciez le spectacle avec moi. Alors là, je suis sur le pont japonais et d'ici, en fait, je m'aperçois qu'il y a des pièces de monnaie là-bas. Donc, je vais jeter une petite pièce. Voilà. Et il y a beaucoup de poissons.
Donc je suppose que les pièces, c'est pas pour nourrir les poissons, mais ça doit être comme un petit rituel. Alors, ne vous attendez pas à des vidéos similaires à ce que je fais à Bangkok. Allez parler à des gens. Ici, c'est, on va dire, c'est plutôt calme. Il n'y a pas trop de monde. C'est plus admirer les paysages, contempler les monuments qu'on a ici. Et, voilà, c'est plutôt paysage. Visiter l'intérieur. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite immersion. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !